Good morning, Ale Iden. L'étude sera aujourd'hui le Elohim Nishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Chaim Eliyahu Ben Shalom Bluski, Zara Bat Mazal Tov Shishportish, Guy Yaakov Ben Blanche Rajaj. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra Perek Bet Mishnah Gimel. Lo Iftach Adam Chanut Shel Nachtomim, Veshel Tzaba'im, Tachat Otsaro Shel Chavero, Velo Refet Bakar, Ve'emet. Beyain hitiru, aval lo refet bakav. Chanut shevechatzer, yachol limchot beyado velomar lo, eni yachol lishan mikol hanichnasim umikol hayotzin. Ose kelim yotze umocher betoch hashuk, aval eni yachol limchot beyado velomar lo, eni yachol lishan lo mikol hapatish, velo mikol harechaim, velo mikol hatinokot. Deux sujets dans notre Mishnah. On commence à étudier la première partie. On lit, on traduit, on explique. Lo iftach adam chanut shel nachtomim. Un homme ne pourra pas ouvrir chanut, un magasin, une boutique, shel nachtomim, de pain, donc une boulangerie, ve shel tzaba'in, et une teinturerie, tachat otsaro shel chavero, sous le dépôt, l'entrepôt du voisin, de son ami. On parle donc qu'il y a deux voisins sur deux étages, Réhouven et Shimon. Réhouven habite en dessous et Shimon au-dessus utilise sa maison pour stocker ses fruits, ses récoltes, ses céréales. Et ce qui se passe, c'est que Réhouven veut maintenant ouvrir une boulangerie chez lui. Il dit, c'est chez moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Sur ça, son voisin mère lui dit, non, cette fois-ci, tu fais pas ce que tu veux. Étant donné que j'entrepose au-dessus mes fruits, si tu vas commencer maintenant à faire une boulangerie, à ouvrir une boulangerie ou une teinturerie, qui sont des travaux qui requièrent beaucoup de chaleur. Il faut là-bas faire chauffer des fourneaux, des chaudrons pour le teinturier. Donc, ça va produire beaucoup de chaleur, ça va faire pourrir mes fruits beaucoup plus vite. Je t'interdis. Précision importante, on le dit tout de suite, entre parenthèses, spécifique à ce coup-là, c'est que si le voisin du dessus n'a pas encore commencé à entreposer ses fruits, alors, celui du dessous aura le droit d'ouvrir une boulangerie, et quand on deviendra mettre ses fruits, celui du dessous lui dira « j'étais le premier ». On aura l'occasion d'en reparler dans les Mishnayot plus loin, de voir est-ce que, dans quel cas, dans quelles circonstances on a le droit de dire « j'étais là le premier » ou « j'étais pas là le premier ». En tout cas, spécifiquement pour les maisons, on a le droit de le dire. D'accord ? Donc, on répète encore, c'est très simple. Si je veux ouvrir une boulangerie chez moi, si le voisin du dessus entrepose déjà ses fruits chez lui, il peut m'en empêcher, mais tant qu'il n'entrepose pas ses fruits, et il n'entrepose pas ses fruits, je pourrais moi ouvrir cette boulangerie et ensuite lorsqu'il viendra mettre ses fruits, je lui dirai c'est trop tard, j'étais la première, d'accord. Velo refet bakar, il ne pourra pas non plus, Réhouven du dessous ne pourra pas non plus faire de sa maison une étable. Pour quelle raison? Vous imaginez bien l'odeur qu'auront les fruits ensuite, ce sera bien désagréable, et de ce fait là, d'accord, la récolte, ça va, toutes les odeurs de moisissures et qui pourrait y avoir dans l'étable, elles vont forcément rentrer dans les fruits, et donc il va lui abîmer ses fruits selon le même principe que la chaleur. Be'emet, réellement, be'yain hitiru. Si le voisin du dessus a du vin, hein, il entrepose du vin dans sa maison, alors j'aurai le droit d'ouvrir la boulangerie ou la teinturerie. Avalor efet bakar, mais pas en faire une étable. C'est-à-dire, spécifiquement, on parle d'un vin d'époque, la Gemara le précise, on est dans le Barthénora, on parle d'un vin d'époque, où au contraire, lorsqu'il y a une ambiance un petit peu chaude, ben, ça améliore le vin. À notre époque, en général, un vin qui prend un coup de chaud, c'est un vin qui tourne. Mais à l'époque, dans les vins de bonne qualité, en tout cas, à l'époque de la Mishnah, comme ça ressort dans la Gemara, déjà, à l'époque de la Gemara, c'était déjà devenu, le vin avait déjà baissé de qualité. Mais en tout cas, dans la Mishnah elle-même, on parle d'un vin qui va au contraire s'améliorer grâce à la chaleur. De ce fait, si celui du haut entrepose du vin, j'aurai le droit d'ouvrir donc la boulangerie teinturerie. On continue maintenant la deuxième partie de la Mishnah. Chanut shebechatzer. Maintenant, on va parler d'abord une petite introduction. On va parler maintenant qu'est-ce qu'on a le droit d'ouvrir lorsqu'on a une cour commune. Mon voisin décide maintenant d'ouvrir un magasin. Peu importe, ça peut être une coiffure, ça peut être, d'accord, toutes sortes de magasins, où, à cause de ça, il va y avoir beaucoup de va-et-vient. Est-ce que j'ai le droit de l'en empêcher? Et vous allez voir, on va lire, traduire à la Mishnah, faites attention, vous allez voir qu'il y a
quelque chose de très flou dans la Mishnah, on a du mal à mettre le doigt dessus, et il y a sur ça beaucoup d'explications, on va en apporter une essentiellement. On traduit. Chanot Shebechatser, un magasin dans la cour, donc quelqu'un qui veut ouvrir un magasin dans la cour. Yachol Limchot Beyado, il peut l'en empêcher, donc le voisin peut l'en empêcher. Velo Marlo, et lui dire, En Yachol Lishan Mikol Anichnasim ou Mikol Ayotzim, tu me casses ma tranquillité, je ne parviens plus à me reposer. D'accord, Eno Yachol Lishan, je ne peux pas dormir, Mikol Anichnasim, à cause de du bruit provoqué par ceux qui rentrent, ou Mikol Ayotzim, et par ceux qui ressortent. Il y a du va-et-vient, ça marche, ça ouvre les portes, ça claque, ça parle, ça m'empêche de dormir, je t'en empêche. Par contre, Ose Kelim, le voisin aura le droit par contre de faire des ustensiles dans sa maison, donc il va transformer sa maison en petit atelier. Et vous imaginez bien qu'il va y avoir du bruit. Et malgré tout, il pourra en faire. Yotze ou mocher betoch hashuk. Et de sa maison ensuite, il va passer par la cour et amener ses cruches jusqu'au marché. Yotze, il sort ou mocher betoch hashuk. Il va les vendre au marché. Il n'a pas le droit d'amener les clients chez lui à la maison, mais il a le droit de les faire dans sa propre maison et de sortir ensuite. Avalano yachol imchot beyado. Le voisin n'aura pas le droit de l'en empêcher. Velomar eni yachol lishan. Et lui dire, je ne parviens pas à dormir. L'omikol apatish, ni à cause des coups de marteau, velomikol arechaim, ni à cause du moulin, velomikol atinokot, ni à cause des petits-enfants. Alors, l'histoire des petits-enfants, on la met de côté pour le moment, on en parlera ensuite, c'est un sujet à part entière. Et pour le moment, on synthétise ce qu'on a vu. On a remarqué que je n'ai pas le droit d'ouvrir un magasin chez moi parce qu'il va y avoir du va-et-vient. Qu'est-ce que l'autre affirme pour en empêcher, tel que c'est marqué dans la Mishnah? Le bruit le dérange. Pourtant, on continue la Mishnah et on remarque que chez moi à la maison, j'ai le droit de transformer ça en atelier dans lequel je fabrique des ustensiles et l'autre ne peut pas me dire « Non, je n'arrive pas à dormir à cause des bruits de marteau, ça frappe, ça cogne de temps en temps. » En plus de ça, je prends toutes mes cruches et je les fais sortir dehors. Vous imaginez bien, un petit peu de vacarme avec des ustensiles creux qui vont se cogner, qui vont se frapper. Et malgré tout, là, il ne peut pas m'en empêcher. Et il y a ici une grande difficulté à comprendre. Dans la halakha, il va y avoir en fait deux directions relativement opposées. On va retenir d'abord, on va poser celle qui est rapportée dans le Rambam. Il me semble que c'est comme ça que le Shulchan Aruch lui-même tranche. Je pense que c'est comme ça qu'il tranche, logiquement. Le principe, il est simple. Tout d'abord, on parle d'un cas particulier dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il a fait une chazaka. Et on va expliquer très rapidement ce qui se passe. Tout d'abord, lorsque, chez moi, je veux faire n'importe quelle utilisation où je vais dépasser quelques décibels, c'est pas précisé dans la Mishnah, mais ça va commencer à faire trop de bruit, à cause de ça je vais nuire à la tranquillité des voisins, je n'ai pas le droit de le faire, parce que, autant qu'on avait appris Ezek Reiya, Shmei Ezek, le fait que l'autre voix chez moi c'est un dommage, comme on apprenait dans le premier Perek, alors de là aussi on apprend que le son, le bruit, c'est un bon alibi pour empêcher à l'autre de... C'est une bonne réclamation pour empêcher à l'autre de faire cette utilisation chez lui. Donc, call, c'est un ézec. Le bruit qu'on fait chez soi s'appelle qu'on nuit à son voisin, il a le droit de m'en empêcher de faire du bruit. Ça, c'est avant de commencer la Mishnah. Notre Mishnah parle d'un cas particulier. Supposons par exemple que... C'est vaste, c'est compliqué à dire. On va prendre un cas concret. Supposons que j'ai demandé au voisin, vous me permettez d'ouvrir un atelier chez moi à la maison, ou d'ouvrir même un magasin chez moi à la maison, et ils m'ont donné leur aval. J'ai ouvert le magasin, j'ai fait mon atelier chez moi dans ma maison, donc désormais je fais du bruit. Alors la Mishnah vient et me dit, ben sache, donc à partir du moment où j'ai la permission, ça s'appelle que j'ai une chazaka. Je me suis octroyé le droit de faire cette utilisation chez moi, même si, selon le strict, j'avais pas le droit de le faire, puisqu'ils m'ont donné leur accord. Maintenant je suis mourzak, je détiens le droit de faire l'utilisation. Ce qui se passe, c'est qu'après 2 semaines, le voisin vient et me dit, j'ai fait une grave erreur de te permettre de faire l'atelier ou de te permettre d'ouvrir un magasin. C'est infernal, je ne ferme plus l'œil. J'avais toujours ma petite demi-heure par jour où je venais me reposer chez moi à la maison. Là, je ne l'ai plus, ça m'a massacré toute ma vie. Je renonce, je regrette et je veux annuler la permission que je t'ai donnée. Alors, c'est sur ça que la Mishnah vient. Et la deuxième partie de la Mishnah va nous dire, sache que c'est trop tard, tu m'as donné ton aval, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est pour la deuxième partie. Faire l'atelier chez moi à la maison, entrer et sortir. Par contre, le magasin, je n'ai pas le droit de le faire. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? La raison, elle est très simple.
Avoir une chazaka, ça s'appelle s'octroyer un droit de faire une certaine chose. Causer un dommage à l'autre, dans certains cas de figure, on a le droit de, ça existe, d'avoir un droit de maintenant d'enquiquiner l'autre avec certaines utilisations, pour, dans certaines circonstances, en l'occurrence, là j'ai eu son aval. Ce qui se passe, c'est que lorsque j'ouvre le magasin, celui qui dérange le pauvre voisin, c'est pas le propriétaire du magasin, c'est ceux qui entrent et qui sortent. Eux, ils n'ont pas eu de chazaka, ils se sont pas octroyé le droit d'entrer. J'ai peut-être eu le droit d'écrire sur l'enseigne « magasin », d'ouvrir mes portes, de fabriquer des ustensiles que les gens vont venir vendre, mais en tout cas, les gens qui entrent, eux, ils n'ont pas une chazaka de venir ici. Ah, ils n'ont pas une chazaka. Dans ce cas-là, même si je donnais l'accord aux voisins d'ouvrir le magasin, eux, les nouveaux clients qui vont venir, en tout cas, n'ont pas eu le droit de rentrer et de sortir dans cette cour. À partir du moment où ils causent un dommage, je leur dis, vous arrêtez tous d'entrer et vous ne rentrez plus. C'est comme ça que le Maguid Mishneh explique la vie du Rambam. Dans le Bartanora, il n'y a rien du tout. Il y a Bekoshi, difficilement une petite allusion. C'est très discuté. Il y a un Tosot Yom Tov qui arrange beaucoup. C'est la vie essentielle. Et dans ce cas-là, je vais même vous lire le Tiferet Israël. Midekvar Irzik, Vedavka Bekol Katan. Attention, oh, précision importante aussi. Tout ça, on ne parle que d'un bruit, malgré tout, supportable. Comme il y a des gens bruyants qui peuvent vivre chez eux. Mais en tout cas, pas quelque chose de trop infernal. Un bruit insupportable, ou cette fois-ci, c'est une notion qu'on aura l'occasion encore de revoir plusieurs fois, qu'un dommage, c'est toute cette notion de chazaka, qu'on peut s'octroyer le droit de causer un dommage chez l'autre, ce n'est uniquement dans des dommages qui sont tout de même dans l'ordre du supportable, tandis que si c'est un dommage infernal, alors même si je lui donne le droit, même si je lui vends le droit, je lui écris un contrat, il m'a donné une grosse somme d'argent, j'aurai toujours le droit de venir lui dire et dire, c'est insupportable, arrête. D'accord, c'est ce que le bon, c'est rapporté dans le Tiferet Israël. Je pense qu'on ne va pas rallonger sur le deuxième avis comme expliquait la Mishnah parce que c'était déjà il y a déjà quand même une notion à assimiler. Et maintenant, on va s'intéresser à la dernière phrase de la Mishnah. Velo mikol atinokot. C'est une phrase renversante, incroyable. On a du mal à comprendre de quoi elle parle. C'est quoi cette histoire? Velo mikol atinokot. Et on ne peut pas l'empêcher à cause de la voix des enfants. De quels enfants? Des enfants qui rentrent dans le magasin. On a dit qu'on peut l'empêcher d'ouvrir le magasin. De quoi on parle? Et la Gemara explique qu'en réalité on parle d'une takana spéciale, un décret qu'il y a eu à l'époque de Yoshua ben Gamla. La Gemara dit, souvenez-vous de Yoshua ben Gamla, grâce à lui, aujourd'hui, on continue encore à perpétuer la Torah et à l'enseigner aux enfants. C'est lui qui a fait toute une série de décrets pour pouvoir rendre accessible facilement l'étude de la Torah. La Gemara raconte à l'époque, les orphelins ne pouvaient pas étudier la Torah, parce que chaque père accomplissait la mise à l'enseignement de la Torah à son fils, celui qui n'avait plus de père, et bien il n'avait plus de Torah. Après, on a instauré qu'il fallait les faire monter à Jérusalem, et de nouveau on a eu le même problème. Du coup, il y a eu Yoshua ben Gamla, qui était un Kohen Gadol, il est venu, il a instauré, on ouvre toutes les portes pour l'étude de la Torah. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir un centre d'études dans sa maison, inviter les enfants à venir, personne n'a le droit de s'y opposer. Il est en train de faire la mitzvah la plus grande du monde, d'enseigner la Torah aux enfants. Personne ne peut l'empêcher, personne ne peut entraver son choix. Et de ce fait, c'est ce que la Mishnah est venue nous dire. Si maintenant, un voisin décide dans sa cour d'ouvrir un cheder, un Talmud Torah, où maintenant il va y avoir 250 enfants qui vont venir tous les jours, impossible de l'en empêcher. Ah, mais t'as une synagogue à 100 mètres? Ouais, mais tu sais, j'aime bien enseigner, moi, avec mes pantoufles. Et je préfère qu'ils viennent tous chez moi, je me sens plus à l'aise. Eh ben, j'aurai le droit de le faire selon la Takana de Yoshua ben Gamla. Et c'est ce qu'a écrit ici, Velo mikol atinokot. On fait à présent le Bartenora. On revient sur la première partie de la Mishnah, donc celui qui voulait ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous le dépôt de son prochain et qu'on lui permettait de l'ouvrir s'il y avait au-dessus du vin. Pourquoi? Alors il nous explique. Beyaï nitiru. Pour le vin, on permet. She'a'ashan ayotse minachanot shel nachtomim meshel tzavaim eno kashel la'yain. Car la fumée qui se dégage d'une boulangerie ou d'une teinturerie, elle n'en cache la yain, n'endommage pas le vin. Shachom mashbiach la yain chez Beret Israël. Car la chaleur, au contraire, améliore, affine davantage le goût du vin qui est en Israël. À l'époque, le vin d'Israël était spécialement très bon. Ça rapporte dans la Gemara dans Psachim. O bimkom chez Yadoua Shachom azik la yain. Par contre, si on va se retrouver dans un endroit où la chaleur va au contraire détériorer le vin. Même sous le dépôt de vin, il ne pourra plus ouvrir la teinturerie ou la boulangerie.
Ensuite, on se rapporte sur la deuxième partie de la Mishnah, qu'on l'empêche d'ouvrir le magasin à cause du va-et-vient des clients. Alors, Chanot Shebechatzer, le magasin qui est dans la cour, de quoi on parle? Echad mi bnei chatzer shebaliftoa Chanot Bechatzer. L'un des habitants de la cour vient ouvrir un magasin dans la cour. Bnei chatzer magun alav. Ces copropriétaires de la cour, quoi, peuvent l'empêcher d'ouvrir ce magasin. Et le Bar Tanoura a regardé, c'est ce qu'on avait expliqué à l'oral tout à l'heure, que le Bar Tanoura ne précise rien du tout sur toute la Mishnah, l'essentiel de la Mishnah, la différence. Pourquoi le magasin tu l'empêches et pourquoi l'atelier de fabrication des pots là-bas, du potier, tu ne peux pas l'empêcher de me donner des coups de marteau, il ne précise rien du tout. Donc il faut forcément voir le Tosotium Tov, vous ne l'avez pas dans le fascicule du 5 minutes éternel, mais ça se trouve des Mishnayot dans tout le Bat Midrashot. Vélo Mikol Atinokot, et il nous projette directement sur la dernière partie de la Mishnah, l'histoire avec les petits-enfants et le Talmud Torah. Shel Bet Rabban, Vélo Tinokot Shel Bet Rabban, attention, on parle, quand tu me dis que tu ne peux pas l'empêcher de faire entrer les enfants, on parle uniquement Tinokot Shel Bet Rabban, les petits-enfants qui viennent étudier la Torah. Vaf Algav Dekol Abba Machmat Achirim, ou bien que ce soit un bruit qui est provoqué par des étrangers, entre parenthèses, allusion sur l'explication du magasin. Le problème, c'est que du bruit provoqué par des étrangers à la cour, qui ne peuvent pas avoir cette razaka, comme on a expliqué à l'oral. Il y a quand même une allusion au pshat dans le Bartenor, mais pas plus. En tout cas, l'omatzimaché, malgré tout, il ne peut pas l'en empêcher. Pourquoi ? Mishum yagdil Torah veyadir, ne dites pas le kadish. Mishum yagdil Torah veyadir. À cause du pasouk qui nous dit « Fais grandir et donner toute la splendeur à la Torah. » Ve'im enom elamed atinokot Torah, par contre, s'il n'enseigne pas aux enfants la Torah, ela umanut, mais il leur enseigne une profession, qui est quelque chose de très respectable dans la Torah, on n'a pas de question, on n'a pas de problème avec ça. Mais malgré tout, au cheshbon, ou encore il leur apprend des matières profanes permises, telles que le cheshbon au tishboret. Cheshbon, c'est le... les maths, le calcul, Tishboret, c'est plutôt la géométrie. Matsi Mache, il peut l'en empêcher, velomarlo, et lui dire Eni acholishan mipne atinokot, shenichnasim biotim, je ne parviens pas à me reposer chez moi tranquillement, à cause de ces enfants qui rentrent et qui sortent. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslacha, Kol Tov, Selah.